On a beau parler du centenaire de la naissance de son éminence Julius Sengenda Kuntima, troisième fils de papa Simon Kimbangu et de maman Marie Muluka Wanganzitani, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Comme vous le savez, il fut né un certain 22 mars 1918 et 22 mars 2018, cela fait exactement 100 ans, jour pour jour. Raison pour laquelle les fidèles kimbanguistes du monde entier se sont mobilisés pour monter en Kambal Nouvelle-Jérusalem pour célébrer le centenaire de sa naissance. Ici en Kambal Nouvelle-Jérusalem, plus d'une des centaines, des milliers de fidèles kimbangui se sont réunis ici autour de sa divinité Simon Kimbangu Kyangani, actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, pour célébrer avec faste cette grande manifestation commémorative. Pour ce jeudi 22 mars 2018, la première activité est celle de sa divinité Simon Kimbangu Kyangani qui va devoir recevoir les invités de marque invités à cette circonstance. Mesdames et messieurs, nous vous invitons donc à suivre quelques audiences que le chef spirituel aura accordées à ses hôtes. Regardez.
Gracias.
Kombo ya tata mwana pe tata mwalimu mosantu tokomi na ngonga ya matei biso nyonso tofuti batike toye na nkamba po ete toyoka liloba tata nzambe oyo kosunga biso ba oyo bayaki retard totangaki na psaume 2 nzembo ya bayuda oyo ya mibale tobandaki na premier verset tosukaki na 12e verset Totangaki mipe kwa tata nzambe na Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Sikoyo, tokomi na likambo, oyo tokotanga. Chapitre principal, toza na ango, tokotanga na Evangile selon Saint-Luc, chapitre 2, verset 8 à 17. Mokanda oyo, mosantu Luka akomaki, mokapu ya mibale, To bandi na nzela ya mwambe, to kosuka na nzela ya zomi na sambo. Luc chapitre 2, verset 8 au 17e verset. To zana ba référence mibale, e ko soutenir chapitre oyo, to kotala na Genèse, to mokanda liboso ya Moïse. Genèse chapitre 5, verset 28 à 30. Genèse chapitre 5, verset 28 à 30. Pe tokotala na deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 20 à 21. Na kombo ya tata, moi na pe tata moli monsanto. Toke na mukanda oyo ya Luc, chapitre 2, verset 8. Ne tosuki na verset 17. Nunga nazana lingala facile na lingala facile page 71 to bandi kotanga na komba tata mwa tata moli monsanto na esobe pembeni ya Bethlehem ezalaki na babokoli ya bameme bazalaki kolala kuna pona kokengela mameme na bango angelu moko ya nkolo abimeli bango pe nkembo ya nkolo Engengeli bango babangaki mingi penza kasi angelu alobi na bango bobanga te na yeli bino sango moko ya malamu oyo ekosepelisa ekolo mobimba ya Israel na butu ya lelo baboteli bino mobikisi na mboka ya David ye azali Kristo mokonzi oyo bozalaki kozela Bokoye baye boye, bokomona mwana balingi bilamba, pe alali na kesi, oyo batiaka bilei ya banyama. Na mbala moko ba angelu mususu, ebele baye kosangana na ye. Bazalaki kokumisa nzambe boye, lokumu na nzambe kuna na likolo, pe boboto awa na se, na bato oyo ye alingaka. Tango ba angelu bazongaki na likolo
ba bokoli ya ba meme ba yokani boye tokende ti na Bethlehem kotala makambo ekweyi kuna oyo nkolo ayebisi biso nde siko toke na mukanda ya Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 totali na 28e verset jusqu'au 30e. Tango le mec akokisaki mbula kama moko na tuku mwambe na mibale abotaki mwana apesaki ye kombo Noé. Pamba te alobaki ye akolembisa misala ya makasi oyo tosengeli kosala na mabele. Yahweh abwakela lisuma. Nde toke na livre, deuxième livre ya roi, na chapitre 13, verset 20 à 21. Élisée akufaki, pe bakundaki ye. Na ebandeli ya mbula nyoso, mangomba ya miyibi ezalaki kouta na Moab, pe kokota na Israel. Mokolo moko batu bazalaki kokende kokunda ebembe bakomi na epai ya mabanga esika libulu oyo bakunda Élisée ezalaki. Na mbala moko bamoni lingoma moko ya bamiyibi wana bango babwaki ebembe yango na kati ya libulu ya cimetière ya Élisée pe bakimi na bango kaka tango ebembe etuti mikuwa ya Élisée moto yango azongi na bomoi pe atelemi. Na kombo ya Tata, Mwana, Tata Mwalimu Santo, amen. Tobondela. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Mwalimu Santo, nzambe na biso totondi yo botondi. Nani ayebaki ete mutu mwindu akokosa na organisation ya boye? Biso tozalaki batu te, bayokela biso mawa te, kasi lelo tokomi bana ya Tata Nzambe. Tosangani awa na mukolo malelo ya centenaire ya papa Diangenda Kuntima, mokonzi ya bule ya liboso ya Lingomba. Feti ya lelo ezali kado ya Tata Nzambe opesi epai na biso bana na yo. Tiketi otambusa biso na liloba oyo tokoloba na kombo ya Tata, Mwa Tata Mwalimu Santo, amen. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Mwalimu Santo, batata ba mama, tosangani awa pona centenaire fete munene ya mokili mobimba. Kasi tolandi banzembo nyonso elobi ete bokende na nkamba pona centenaire oyo. Ebiso tozwi chance ya kokoma na nkamba pona centenaire ya papa Diangenda akokisi mbula kama depuis abotama. Mokanda Tata Nzambe, soki tutali na Hébreux chapitre 13 verset 7, bapesi biso conseil makasi ke bokanisaka batambosi na bino ya kala oyo bateyaka bino likambo ya Tata Nzambe. Donc wana ezali recommandation bapesi epai na biso tobosanaka te ba oyo bamonaka pasi mpona biso. Ezala na kati ya famille tata na bino mama amoni pasi mpona kobokola yo, ata akufi akufi te, paske matei oyo apesi yo yango nde ezali kaka kolakisa ke ye azali. Lelo toye awa mpona kokanisa papa Diangenda. Mingi bapozaki question, ye mutu asi akufa na ye te, santa bazofete ya nini epai na biso? Nzambe akufaka te, Nzambe azala kaka bomoi. Yango nde esangisi biso Nkolo Yesu pesi akufa na ye, kasi Noele na ye esalamaka kaka. Bongo soki biso tosali yango toza na foti nini? Ndenge tozali awa bashapitre ezali ebele, mutu na mutu akanisi. Kasi nakoyebisa bino likambo moko, bazwaka bavegle, bato bakufa misu,
bamemi bango bakende kotala esika éléphant ezali nzoku bango basali baveugle mise kufa kasi bamemi bango esika nzoku ezali po balakisa bango nzoku mutu na mutu esika ya simbaki nde ye amonaki nzoku monene nde yango wana oyo asimbaki na lokolo alobi ah orike nzoku asalaka lokola nzete oyo asimbaki litoyi alobi ah orike nzoku azala ne lokola etoko oyo asimbaki mokongo ya nzoku alobi oh nzoku azalaka lokola twatira ndako moto na moto esika asimbaki nde eloko ezongaki na yango wana ndenge tozali awa papa diangenda azali nzoku monene toza na 3 jours mais passer nyonso akoya akoteya ndenge ye ayebelaki papa diangenda ye ndenge amonelaki papa diangenda yango nde akoyebisa donc nous devons avouer que nakoki koloba na bino te makambo nyonso ya papa diangenda ngai nakozwa kaka parti soki olobi ke mpo nani alobi oyo te wana nde parti yo simbaki yango wana ngai nakoloba na parti oyo namonaki o nasimbaki lokola baveugle donc cela étant kokanisa te ke ifo toko soki moto atelemi awa akoya koloba histoire nyonso ya papa diangenda akokoka te mpo azali nzoku parti kaka yombo nazalaki komona yango nde okosimba yango tomoni ke meme ba évangile oyo bapotre bakomaki mpo na nkolo yesu mate amonaki ke mate ya nkolo yesu ezalaki important mpo na ye kopesa na bato na ye tokangami na misala mabe motu mwindu yango nde je li un livre balobi la sorcellerie est un frein au développement de l'homme noir motu mwindu akoki kosedevelope te na sorcellerie tozozwa bamagie nyonso tozozwa apres tozozwa nini soki belge ake na inde aki kozwa magie na ye apesaka nani me yo motu mwindu soki kozwa magie na inde opesaka bandeko na yo po sacrifie bamindele bapesaka nani tomituna question wana au nom du père du fils et du saint esprit c'est ingrat si on ne pouvait pas traduire ce que nous avons dit parce que nous avons invité aussi nos frères qui sont venus nous accompagner et le monde international aussi nous suit de près. Nous devons les aider quand même à traduire ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons lu les livres suivants. Pour aujourd'hui, nous avons lu d'abord le psaume 2, du 1er au 12e verset. Enfin, nous avons lu les livres d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Pour la partie principale de notre prédication, nous sommes référés du livre de Luc. Saint Luc, chapitre 2, du 8e au 17e verset. Et nous avons eu deux supports. C'était sur Genèse, chapitre 5, versets 28 à 30. Et le livre, deuxième livre des rois, chapitre 13, versets 20 à 21. Nous avons dit aujourd'hui, c'est le jour J, 22 mars, le jour que nous dédions à Papa Diangenda Kuntima 100 ans de son existence. Né le 22 mars 1918, aujourd'hui nous sommes le 22 mars 2018, exactement ça fait un siècle, c'est-à-dire 100 ans. Pourquoi nous sommes réunis ici? La Bible nous conseille dans Hébreux chapitre 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos anciens maîtres » qui vous ont enseigné la parole de Dieu. Ça dure. C'est un ordre pour nous. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance est une fleur rare dans ce monde. Alors la Bible nous oblige d'être reconnaissants pour nos anciens maîtres qui nous ont appris la parole de Dieu. C'est ce qui nous réunit tous ici. Nous sommes venus pour nous souvenir de Papa Diangenda. Mais le thème principal qui a été développé tout à l'heure, c'est celui-ci. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui
qui réjouira beaucoup tous les peuples, car il est né pour vous un sauveur. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on nous a apportée. L'ange, dans le livre de Luc, c'est le livre qui parle de cet ange, qui parle au berger, que je vous apporte une bonne nouvelle, laquelle, une bonne nouvelle qui résoudra tout le monde, c'est la naissance d'un sauveur. Dans le développement, nous avons dit que Papa Diangena, c'est un éléphant. Il est tellement grand que personne, par honnêteté intellectuelle, ne peut se prétendre parler de Papa Diangena dans son ensemble. Nous avons pris un exemple. Il y a des aveugles qu'on a amenés aux autres pour leur présenter un éléphant. Mais chaque aveugle est rentré avec un souvenir de la partie qu'il a touchée. Ce qui a, lui a touché la jambe, il dit, « Ah, l'éléphant est comme un stick. » Mais celui qui a touché l'oreille, il disait, « Ah, mais l'éléphant, c'est comme une natte. » Mais celui qui a touché le dos de l'éléphant, lui a dit, « Mais l'éléphant est semblable à une toiture. » C'est-à-dire qu'autant de pasteurs que nous mettrons ici, chacun donnera son témoignage de ce qu'il a vécu de Papa Diangena. C'est comme ça que je ne pouvais pas vous donner dans l'intégralité de la vie de Papa Diangena. Quelques témoignages que j'ai retenus, ce sont ces témoignages-là que j'ai donnés ici. Nous avons commencé par le psaume 2. Et pourquoi nous avons lu ce psaume? Nous avons dit que d'abord, la chanson est un cadeau que Israël a offert à Dieu. Quand Dieu a accompli ses promesses, lesquelles promesses? Dieu a dit à Israël, je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Je vous donnerai un monde. Le pays que je vous donne, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et je vous donnerai aussi des autorités qui seront comme moi. Et quand Dieu avait accompli toutes ses promesses, elle a donné à Israël un pays où coule lait et le miel, et Israël est devenu un peuple de Dieu, et les restes sont des nations. Dieu s'est choisi son peuple, et Israël, en contrepartie, a chanté pour être l'Éternel. Donc, à tout moment, Israël reconnaissait Dieu par la chanson, louait Dieu pour la chanson, par la chanson, et Israël ne voulait plus se séparer de Dieu. C'est pourquoi il conservait la loi, car la sainteté, c'est l'appartenance totale à Dieu, tandis que le péché, c'est l'exil loin de Dieu. Alors, Israël n'a plus voulu être en exil, n'a plus voulu vivre loin de Dieu. C'est pourquoi ils ont fait un effort de conserver la loi de Dieu. Et ils ont fait tous les travaux que Dieu donnait à Israël pour qu'ils puissent avoir la bénédiction. Et aussi, donc, ils ont donné trois cadeaux à Dieu. Et parmi ces cadeaux, nous avons lu ce psaume 2. Ce psaume 2, pourquoi ça a été lu aujourd'hui pour cet événement? Parce qu'à chaque instant que Dieu envoie un messager, envoie un oin à lui, Satan se prépare toujours pour combattre. Et c'est pourquoi vous voyez que même à la naissance de Jésus, tous les petits enfants étaient tués. Parce que Satan avait déjà pris toutes les dispositions. Mais quand le monde se prépare pour combattre Dieu, Dieu se moque de ces gens-là. Il se moque d'eux. Et Dieu dit aujourd'hui dans cette psaume, tu es mon fils, et tu es mon fils, véritable fils. Demande ce que tu veux que je te donne. Et je peux te donner même ce monde comme héritage. Et je voudrais paraphraser quelque chose.
Lors de la première visite de notre chef spirituel actuel, en Kendolo, il a dit quelque chose, que Dieu a fait une expérience matérielle. Il a créé les Chinois, les Japonais, ils se ressemblent. Ça, c'est quelque chose que Dieu a fait comme expérience. Mais la deuxième expérience, mais que Dieu est en train de faire, avoir un peuple qui pense de la même façon. Ils ont des figures différentes, mais ils pensent de la même façon. Voilà le plus grand travail du chef spirituel actuellement. Beaucoup de gens vivent ensemble, avoir la même identité. Aujourd'hui, notre papa, c'est papa Simon Kimba. Notre maman, c'est maman Moïse. Tous enfants de Simon Kimba. Vous pouvez lire dans la Bible, même quand papa Simon Kimba a eu ses trois enfants, il n'a pas donné son nom à un de ses enfants. Mais aujourd'hui, par son amour, il vient de nous prendre comme ses homonymes. N'importe qui se dit, je suis Kimbanguis. Donc, un petit Kimbang. Quelle chance que nous avons. Dieu n'a jamais donné son nom à quelqu'un. C'est maintenant qu'il donne à quelqu'un comme identité. Nous devons profiter de cette faveur. Voilà, papa Diangenda est né. C'est la résurrection. C'est la résurrection de l'homme noir. Nous sommes venus pour rencontrer notre Dieu. Et si c'est lui qui a rencontré, touché les prophètes, les os d'un prophète seulement, il est ressuscité. Et pourquoi pas nous? C'est une journée de résurrection, une journée de bénédiction, une journée d'amour. Évitez les conflits. Si vous avez des problèmes, il faut les éviter. On interpelle les protocoles aujourd'hui pour bien accueillir les gens parce que Marie n'a pas trouvé une place. On l'a menée très loin. Les services de SPC, c'est un service de protection. L'ange vient à Joseph, prend l'enfant, vous l'amenez en Égypte parce que Hérode a des mauvaises intentions. L'ange gardien doit ramener Jésus, le sauver pour aller en Égypte. C'est ça le service des spécés. Doivent intervenir l'enfant de Dieu qui est en danger. L'ange vient prendre l'enfant, l'amener en Égypte. C'est la journée des spécés, c'est la journée du protocole. C'est une interpellation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un mazulu, bika nkumba kwa zitu swa, kimfumika kubika kiza, lusulu wakula vana vana toto vansu mazulu, tia kwetu kalumu kalumu, tuvana lumu kiaki. Kutu yambuli la mfuka zetu, mtu fwedi mfuka, kutu tuwala ni mpuku munako, kutu tani na mungu ambi, kadiki yaku kimfumu, ngolo nkembo, amvu ya mvu, muna nkumba se, mwane mwanda velela. Amen. Son iminons, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mukonzi Yabuli, distingue invité na kombo ya tata ya mwana pemolimo mosantu bandeko banta banta mbomboli ilongo nangai pe ngai moko potondi pino potondi pona kubiangama ya lelo nantina ya ufongoli mise pe nantina ya fet yami pukama ya papa Diangenda Kuntima awa namukuli nikambo nalikambo esalaka natango na yango tango yako pasola elamba pe tango yako tonga tango yako wanda niye pe tango yako loba tango
Yakolala, Pongi, Tetango, Yakolamuka, na Pongi. Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Pinonte, perso de l'humanité, Ebandeli ya ekelamu nioso. Mapele ya talo, peya elaka. Epayuapi nzambe akamataki mapele. Asalaki na yango moto. Perse de l'humanité nakati na Afrique. Topo sana yango tango molai kasi. Otongi ya mise Simon Kimbango. Nde eti libanga ya talo. Poete perso de l'humanité pe. Makambo Nayango Ebunga Namakanisi Nabiso Pato Te Oyipi Ete Tango Oyo Esali Nantina Penza Ngonga Yakulamuka Napongi Esi Ekoke Pampate Mokolon Sambe Ako pikisa piso ekomi sikoyo pene pene. Patata pe pamama. Etikali moke utu esila. Petongo. Etana. Pongo totika. Makombo ya mape oyo esalamaka na puto. Tosalela maye ya mui oyo nsampe atiakati na piso. Patata te pamama. Maloba oyo etali pensa pino tika ete mokile mobimba Eoka Ngai. Oyo Kisa Moli Momo Santu Yansambe Papa Simon Kimbango Kyangani Mawate. Pambate Asali Elembo. Oyo Nsambe Atieli Pino. Elakisi Ete Ye Akoya kosirisa bumbu na pino namokolo ya suka na tango oyo ya centenaire oswa bisaleli ya bato ya sika oyo nsambi asalatengi yemoko asali. Oye pokosala ya solo pensa pato ya posembo pe ya posanto. Papa Simon Kimbango Kiangani. Tu tontio potondi na potongi mise Simon Kimbango. Ponapiso nioso na mokuli tokanisaka sekana. Seko esika wapi tuta. Ngai vapino ndeko papa raina. Nasukisi poye. Na kombo ya tata. Mwana. Pemolimo mosantu. Amen. Excellence, Monsieur le Directeur du Cabinet adjoint du Président de la République, Chef de l'État. Sa divinité Simon Kimbango Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo,
Madame et Monsieur les conseillers directs de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, Monsieur le vice-ministre honoraire de la décentralisation, Monsieur le procureur général de la province du Congo central ici représenté, Messieurs les officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, Monsieur le président de la commission interconfessionnelle pour la médiation électorale, CIMÉ en sigle, Messieurs les députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Messieurs les membres de la délégation allemande, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, à vos titres et qualités respectifs. Un jour unique, exceptionnel et plein de grâce, car nous célébrons les 100 ans d'un homme. J'ai dit bien, nous célébrons les 100 ans d'un homme. Celui qui, que le feu président Joseph Désiré Mobutu qualifia de prophète égal à Simon Kimbangu. C'est donc un autre vrai et réel Simon Kimbangu dans ses attributs divins. Je cite le Père Saint-Esprit Joseph Diangenda Kuntima. Est-ce une simple coïncidence que le 22 mars de chaque année soit déclaré par les Nations Unies Journée internationale de l'eau? L'eau, c'est la vie. L'âme est également la vie. Celui qui souffla l'âme dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Joseph Diangenda Kuntima est Saint-Esprit. Déduction faite, nous pouvons donc dire que le 22 mars est la journée internationale de la vie. Mieux, la journée internationale du Saint-Esprit, Joseph Diangenda Kuntima. Voilà qui révèle le caractère international de cette fête universelle célébrée par toute l'humanité sans en avoir l'attention. En ce jour, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier l'éternel Dieu Simon Kimbangu Kiangani, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis dans la sérénité le déroulement des festivités du centenaire de cette icône, nous citons Joseph Diangenda Kuntima. D'entrée de jeu, nous remercions vivement Son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, artisan de la paix, qui ne ménage aucun effort pour la pacification de notre cher et beau pays. Du haut de cette sainte tribune, et au nom de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Jacques Mbadou Sitou, nous vous saluons, et tout particulièrement ceux qui viennent de fouler le sol de notre chère province, berceau du kimbanguisme, source de l'humanité, et vous souhaitons un séjour agréable chez nous, chez vous. Du 22 mars 1918, voulais-je dire, au 22 mars 2018, 100 ans, jour pour jour, depuis que sa divinité Simon Kimbangu s'est mué en Joseph Diangenda Kuntima. Est-ce une affirmation gratuite? Un personnage hors du commun, Joseph Diangenda Kuntima, avait consacré sa vie à l'œuvre divine pour matérialiser les promesses prophétiques faites par son père à l'homme noir. Tenez, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Au temps fixé par Dieu, nous serons maîtres chez nous comme l'homme blanc l'est chez lui. Une phrase mystère. Savez-vous que pour accéder à notre souveraineté nationale et internationale, Papa Joseph Diangenda Kuntima a payé les prix financiers de l'indépendance du Congo à Maître Croquet, avocat de la cause de notre cher pays en Belgique? Savez-vous que plusieurs réunions de la BACO se tenaient dans les espaces du culte kimbanguiste? Savez-vous que Joseph Diangenda Kuntima choisit Joseph Kasavubu comme premier président de notre cher et beau pays, alors tous deux
élève à l'ENM Beaumont en 1936. Il a assuré les refuges de Joseph Kassavubu, premier président de notre beau pays, en lui offrant un séjour de 2 semaines sur son lit en vue de le garder pour réaliser le vœu émis de voir ses dignes fils arracher l'indépendance de notre pays. Sur le plan socioculturel, l'œuvre grandiose, sans concurrent, nous léguée par Joseph Dengue-Ngontima, reste un des principaux acquis et fierté de l'homme noir. Nous citons l'église kimbanguiste. L'éminent professeur Eli Kiamokolo dit, je cite, la trilogie kimbanguiste, Mibeko, Bolingo, Misala, doit être la pensée fondatrice de notre nouvelle citoyenneté. Le professeur Philippe Bioya, de Reuse Mémoire, renchérira en déclarant que la pensée de Simon Kimbangu est un capital à fructifier, matérialisé par un autre Simon Kimbangu, Joseph Dengenda Kuntimo. Peut-on chercher ce qu'on ne connaît pas? Pourquoi on les chercherait? Parce qu'on ne les sait pas. Peut-on alors chercher ce que l'on sait? Pourquoi on les chercherait? Car on les sait déjà. Motomoindo Aoutawapi. Question centrale de ces multiples interventions. La chanson de Kiamangana Mateta en est une illustration. La pensée primaire véhiculée par ces messages est la prise de conscience de l'homme noir, car dans Joseph Dengue Kuntimo bouillonnait la joie de voir l'homme noir affranchi. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté en vos titres et qualités, je me tourne humblement vers notre père Simon Kimbangu Kiangani. Papa Joseph Dengue Kuntimo déclara à Mbanzangongo, je cite, Batata yeba mama, nga kwikila lukwikila ngavo mono yitata Simon Kimbangu. C'est-à-dire, Papa Dengenda posait une question à l'Assemblée réunie, si l'Assemblée croyait en ce que lui était le prophète Simon Kimbangu. Papa Joseph Dengue Kuntimo n'avait cessé de vanter son père qui viendra tout accomplir. Et voici venu Papa Simon Kimbangu Kiangani. En ce grand jour où nous célébrons le jubilé des diamants de ta seconde venue, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Joseph Dengue Kuntimo, nous sollicitons ta grâce divine pour notre race, la race noire. Il faut l'avouer que nous t'avons traité de sorcier, de magicien, et avons jeté des pierres sur toi, et pourtant, c'est de notre bonheur que tu t'es préoccupé. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, dit Exode 25. Dans un cantique kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani déclare « Mfuku ya baka mono ya diankila, tata tangwi fweni, pasingeye wadiantu, betobana twadiansuni. » Chaque 50 ans, Papa Simon Kimbangu Kiangani libère les esclaves. 100 ans après, l'homme noir continue à croupir dans la misère acerbe. Tata, ou tu katula tenda kandombe mumeso, mpasito akemba. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabangé,
président de la République et chef de l'État, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint, Son Excellence M. Jean-Pierre Kambila. Honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, leurs éminences chefs de confession religieuse en République démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur, représentant personnel de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, Messieurs les administrateurs des territoires, Messieurs les chefs de secteur, Messieurs les chefs de groupement, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour mémorial et glorieux du 22 mars 2018, jour exceptionnel, jour où Papa Diangé Nakuntima Joseph, fils cadet de Papa Simon Kimbangu, premier chef spirituel de l'église Kimangis, a vu le jour en Kamba sur cette colline. Qu'il nous soit permis, au nom de Son Éminence Simon Kimbangu Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, de nous acquitter de l'agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, siège international et berceau du kimbanguisme, terre natale de notre ancêtre commun, Papa Simon Kimbangu, ainsi que de ses trois fils, à savoir Papa Kisolokele Lukele Charles Daniel, Dieu le Père, Papa Dialunga Nakiangani Salomon, Dieu le Fils, et Papa Diangena Kuntima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. Bandeko, Bakonzi Banso, Baekolo Yabiso, Moto na Moto, na Ndenge, Etangami na mibeko ya ekolo ya biso na pesi bino losako ya lokumu. Atata iba mama kiambote kieno. Tusangani ya wa esi elobamaki pona kokanisa pe kopesa lokumu na papa na biso, na bokonzi na biso, Papa Diangenda. Ezali pona bokokisi mibu kama kolonga kuna abotamaki te lelo. Makambo maso ndenge ya zalaki, misala ya salaki, esi elobami. Ngai nalingi nazongela mwa moke, nakozongela kaka maye esengeli te biso bayi Kongo, biso bana basomi ba ekolo oyo esengeli te to bomba na kati ya moto
pe ya mayele mabisu. Papa yangenda azalaki solo moto ya lokumu elobami. Kasi biso bana baye bano na biso toza kobota sima esengeli penza babomba nini. Papa yangenda azaki moto likambo ya liboso moto afongoli miso mpona kombo ya Nzambe na molimo ye moko tata Nzambe apesaki ye ndenge balobi awa afongoli miso banda bomwana bateyi biso awa mbula misato asi abandi koyeba te tina oyo naza nango na mokili awa ezali nini. Ya mibale oyo esengeli toyeba, papa yangenda azalaki moto ya kolanda nzela oyo elongobami mpe epesamaki na papa na ye ye moko Simon Kimbangu. Azalaki moto ya kobima kozunguluka te kolanda nzela oyo esi ekanamaki mpe etangami. Esengeli biso baeto esima tobomba yango mpe lisusu solo lingomba liye lisalami na ye moko motindami papa Simon Kimbangu. Ye nde akeli yango kasi oyo atongi ezali papa yangenda. Atongi yango kaka na bandako te, atongi yango pe na mito ya bato. Nakolakisa bato te, ntango ozotonga ndako tonga pe mayele mayo. Asali biteyelo te kuna na université, esengeli te biso bana na ye toyeba yango. Papa yangenda azalaki moto ya kokani likambo akokendela yango te na suka po ayebaki te azali na mokumba, mokumba ya kolanda maloba ya tata na ye, mokumba ya butu na moi koyebisa bayi Kongo te bazali bana ya somi te bazali mombo ya moto te. Wana pe esengeli tobomba yango na mitu na biso mingi mingi lelo. Lelo oyo lokola sango epanzani te, nkita mosusu ezali kobima na ekolo Kongo na mabele oyo Nzambe abenisa mpo na libela. Ebele ya bato zinga zinga ya mokili mobimba bazali kotia miso te eleko na bango ekoki ya kozonga na ekolo oyo mpona kozongisa yango na bombu bombu oyo bino moko boyebi soki lelo nga na bino tokoki kosolola mpo tobima na yango ebandaki awa na nkamba na papa Simon Kimbangu. Yango na biso bana na ye lelo mokolo oyo tozali kokanisa mpe tozali kosepela te mbotama ya papa yangenda ekokisi mibu kama ebongi tozala na makambo wana na mayele ma biso na moto na biso te biso mpe tozali bana ya Nzambe. Nzambe nde akeli biso
yenda pesibiso kole oyo, yenda lakisibiso nzelato sambe la eto landakaye, toko kiko tika mabili na biso na maboko ya, ma, ya batuwa moyibi te. Ezali liloba tata mokonzi, mokambia ikolo oyo, mosangisi ya bato ya ikolo oyo, ye mokonzi ndalingi bino banso, biso banso toyeba. Mingi mingi, nasina lobela bino, nakolobate bino bakimbangiste, te, biso bakimbangiste, pambate na ikolo oyo, oyo alobita aza kimbangiste te azaite. Nano ayebite, ma azali kimbangiste. Totali kimbangiste pambate, bosomi na biso, e utaki awa, na kamba. Awa. Na isika oyo. Nde toko yako loba. Polele. Na kombo ya Nzambe. Moto moko akoki koyako zongisa liloba ya papa Simo Kimbangu na sima azali te. Ezali elaka ya ye moko kolo Nzambe. Te biso bayi Congo tozali seko na seko na bosomi. Tosi to bima tokozonga lisusu te. Esengeli koloba yango awa. Na lingomba oyo ya Simo Kimbangu. Pambate yango nde kolo ya somi ya ikolo oyo. Esika mosusu ezali te. Soki biso baitondimi de Simo Kimbangu. Nde kolo makambo. Nde oya fongolaki biso banso miso na biso. Toko ki kolemba etumba ya bosomi na biso soki moke te. Yango wana na kombo tata mokonzi akopesa lokumu mingi papa ya ngenda akotondo matondo mingi na papa Simo Kimbangu Kyangani. Pambate azali kolanda maye ye moko papa Simo Kimbangu alobaki oyo papa Jangenda alandaki pe asali pe lelo mokitani na ye esika molimo na ye eye kofanda okati ya nzoto ya papa Simo Kimbangu Kyangani na kombo ya mokonzi na koloba polele te papa totondi obotondi komisio to pesio lokumu peto simbio okende liboso na nzela oyoyo osi okati. Papa Simon bakonzi ba ekolo kolanda ndenge ekomami na mibeko na biso tondi bino botondi
mais pour aller là, la succursale. Sa muzamfumo wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ambiwa seditu yiuntwa dia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yele mfu se mwane mwanda velela amen tango ikei tukumina 16h40 lereki Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Ya luboso te pe si merci. Na tina bakonzi na biso pe mutinda mia konzi mboka. Papa Joseph Kabila Kabange. Na biso nyonso batoye ona tina fete na biso. Il y a le 22 mars. C'est vrai. Kamutuyeli fête na Kamonabiso ya kofongola misé na molimo misé e fongwami na molimo. Bambate tolba qui était le 22 mars. Namoli moto fongoli. Namisu tolba tomonite. Et n'est-ce pas yango yezali. Et loko yisalamite. Et loko yisilite. Menga na lubi bien. Namoli mo. Kola tolba qui date yalilu. Tok fongola mise. Les Cambois et les Wana et les Boyer. Mise et copesa le koum pour la mokili mobimba. Mise et un programme mon néné. Photoco qui s'habille Macamonios. Tu es bien que. Na 2011, tout ça qui n'a pas été mon néné, il y a une révision à procès, qui a été mis en place de mon aboloko. Pour tout ça, là, tout ça, là, comme on le voit, l'État a senga qui va documenter Nyons. Tant que l'État a senga qui va documenter Nyons, Tout le monde qui passe était pour nous le kango. Nzoka na ba mboka, na ba centre ville, na ba ville ya minene minene, batu ba bomba ka makambo. Depuis 21, tene, kufa tata smo kimba una 51, dengeza kubima na bandako ya batu, na ba no kimbangiste, na ba kimbangiste, Na mangomba mususu na mona kipasite bieto mona kipasite nyonso ekokaki epimaki tozwaki tupesaki na leta bongo likambo etali mize ndenge moko kaka kobana na 21 te na tango tokomi nango ngomba yekobima ndenge tozwa kofete ba 100 ans ya ba papa na biso Il faut que tu saches que tu es un homme. Mais quand
lokonyonso basalela kitata simona na nzoto na ye ezali il faut to sangisa nyonso ekozwa tango la ye mizepe ezali loko kosakana na ngote oba kosala kuna baza kolanda ku ya munene baza ba étudiant oba kosala kuna baba no kolaksa awa boya oyo boya oyo boya bokoko nyonso ekozala na kati donc ekozwa ta soto kokisi nyonso wana nde tokoyebisa bino ke datu boye tata kimbangu mama mwilo papa kurutu papa mfumu wa mbanza papa mfumu wa longo tokotisi bango na kati na tango wana nde bokoyeba feti ekozala ndenge nini mais mpona lelo tozokosangisa nyonso mbala moko donc mise ezali kamo monene toboni mpe kobana na matei tata pasteur ateyi biso bango nyonso bauti koleka awa bakonzi nyonso na ye moko mondele bomba bomba ntango ekoki be ekoki nanu te eza makambo munene babimisi awa surtout mondele mbala liboso ayaki awa ayaki na fami na ye mama na bana tozalaka kuna na tribune ye alobi tosalaki mabe mingi na bakoko na bino e surtout tata simoki mbango biso bamindele tobebisaki na ye mpona asenga bolimisi ya bamindele nyonso nakanisa oyo tozalaka na ntango wana bayebi elelo aye kobimisa likambo moko susu ya minene minene congo braza congo rtc congo angola toza na likambo toza na ngone ya monene soko totali na maloba ya papa mfumalongo na kala ya koloba ete le trois congo nde ekomema afrike afrike nde mokili mobimba likambo ya kobombama eza lisusu te epe alobi lisusu ete esili sikoyo biso toyebiki makambo nyonso eza epa na bino owana kobamba soki ya molimo toyebi te ewuti na ye moko alobi makambo ebele oyo ezali ke bapesi raison ya mingi papa mfumu alongo aza koloba ete balinga balinga te tokosa nini butu ata ewumbeli ntongo ekosala nini alobi yango sikoyo alo elongi oloba ke likambo oyo toza kolanda oyo nzela batata balakisi biso yango kaka tozonga lisusu nsima te kambo na biso eza na nzela papa azalaki koloba yango naza na journal moko wepe journal na ngai wana tolobaka ke mbotama ya papa kisolokele 1914 gere ebandi na 1916 kati na gere mbotama ya papa mfuma mbanda mbotama papa mfuma long papa liangenda kuntima ntango abotami kaka gere sili alors lelo le 22 mars 2018 gere esilaka le 22 mars 1918 nga naza na journal oyo ntango gere esilaki alors kuna na italie basalaki fete toyebi te gere yango esilaka na mbula nini ntanga wana telema bayoka yo guerre monene première guerre mondiale esilaki vendredi mokolo ya mitano vendredi le 22 mars
1918. Au journal Bogotala Nabino. Au Bogotala na chance, ya Bogotala yango. Yebara la banda date wana. Dile lui au journal le Zalikak. Bisengu ezaki na Italie ya kosaka na te po guerre esili. Lelo tuzana journal wana. Ezaki na maboko ya papa. Na nevite ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai. Parce que tant que tu as tu as quatre na cœur. Tu as un passe qui est mobile, mais il n'y a pas signe de temps. Tu as un gars qui est panayé, moukoula lelo, ainsi ça passe en abyssant. Bon, 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 terre. Motu ya mokili ya kosilisa ya ngote soki nzambe te. Na motema bozala mituna mingi. Ah, mize, mize. Ba mosusu ba dekuraje. Soki ba tali, ezali kamba molimo. Toyo kani ya? Foto kokisa biloko nyonso. Nzambe ba pesa kaya eloko ya ndambo te fwezale ya mobimba nango na histoire nyonso suko koti kuna sika baza kolakisa yo oyo no teno tono babwakilaki na mai onde chene bakangaki biloko nyonso bon et surtout ndako eza na sia mabele ye yango nde elebiso tango molai. Humidité exalaté. Et côté, biloko ebele pono ezala malam kuna. Oh, ba insecte ba kota kuna, ba le ba papier nyonso te, ekozalaté. Mobimba na ngonde ngo tiela, yango pe ko tikala libela. To eza musala ya mokete ya mize, esenga ka penza ke ba bongisa ngo bien. Eza ya lo eloko ya presete. Yami bale, papa kulutu watika kibiso na Belgique. Oyo passeport na ye. Tango ye atiki biso, tuye kukunda ye, passeport ye kumi na maboko na ngai. Ezala ba papa solo, papa Alphonse, ba papa King. Soko tuni bango, wapi pasere ya papa, bako ye bate place ezali. Menga ezala ba boko na gaya. Elaksike biloko ya kobate la ya ngoyo, tikali yuswar mobimba. Zala fiera. Ezali tango na biso. Ndenge papa aza koloba ye te, makambo na biso, ava tolonga, bolingo, mibeko na nini ye. Zala fier, tango ye koki. Pasi ya mokili, nzambe ne muta kosilisa yango. Lelo biso nyonso toye na invitation ya papa Mfumalonga. Zala esengo. Doye ko répondre. Ezali pasi batma uti mosika. Ko wele la basuwa, ko wele la mituka, ba moto, ba avion, po kaka na likambo oyo,
ata makolo na yo nzambe akokanisela yo na nzela yo olanda. Kolobate ah pasi ya pamba te tuye kolukande bomo ya seko ndenge nkolo Yesu alobaki baye kulibatuni pasi ya boy tuzolanda yo okofuta biso nini totiki bafamie na biso repose ya kolo Yesu bomo ya seko na kufuta bino donc tukola kolo Yesu yaki na sekwa wiki suki ulandi Christ sekwe za kati na yo musala oyo salaka na lingomba nzambe kokanisela yo musala punda ezalite na musala tata nzambe alors tokomi na 17h jango na motu ke lelo ndako efungwami na molimo mkoro tokokokisa biloko nyonso ekoti na kati ntango wana nde tuyekaka kokokisa tuye kokokisa makambo nyonso na ntango wana kaka visite bisika nyonso biloko ekozala na bokoko ya bato mosusu ezala ya mondele ezala ya motu mwindo ekozala na kati ya wa oyo tobungisaki na ngola toloba na mbanza Congo papa alobaki ke oyo ezalaki na motu ekomi wapi na mapeka ezali nzoto moko babele ya sika nde yango o wana ezaki ya kala ya sika nde yango toza kotonga zala mayele na yo tosilisise bongo na komba tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Tuzali bana mapamboli tuzali libota oyo efandi na nzambe na bango elongo nzambe na biso atetili nyoko alongoli mosisa tolandi na matoi na biso mei mayemanso alobeli biso mokolo mwalelo tika ete totonda yango na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la première partie du culte spécial ce jeudi 22 mars 2018, ainsi que la deuxième partie qui a été sanctionnée par les interventions de différents invités, notamment le directeur de cabinet d'un chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, qui a représenté le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé. Vous avez suivi également l'intervention du ministre national de la Santé publique, Dr Oli Ilunga, l'intervention du vice-gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana, ainsi que le mot de l'église Kimbangis qui a été lu par le directeur de cabinet Révérend Ndombasi, et pourquoi pas le message que le chef spirituel Salivide Simon Kibankiangani a adressé à tous les fidèles Kimbangis du monde entier à l'occasion de la journée commémorative de ce jeudi 22 mars 2018. Nous vous rappelons que l'église Kimbangis à travers le monde célèbre depuis ce jeudi 22 mars 2018, le centenaire de naissance de son éminence, Joseph Dengue Nakuntima, bâtisseur de l'église Kimbangi, c'est le premier chef spirituel de cette église. Voilà la troisième partie, ainsi c'est la partie que vous allez tout à l'heure suivre, qui sera sanctionnée par les honneurs de l'invité Simon Kimbangi. La Fafa Kimbangi va également jouer la partie, ainsi que les pieds gauches vont également honorer le chef spirituel. Sa divinité Simon Kimbangi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous invitons à suivre l'intégralité cette troisième partie du culte de ce jeudi 22 mars 2018 et ce pour le compte de la première journée. Regardez.